Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous donner quelques idées de cadeaux pour Noël. Donc c'est parti. Je vais commencer pour les cadeaux féminins, donc pour femmes ou pour filles, adolescentes. Pas pour les enfants parce que bon, j'ai pas encore d'enfants et... Mais voilà, je voulais vraiment axer plus sur les adultes et les adolescentes qui peuvent passer par là ou que vous avez vraiment pas d'idées. Donc, c'est parti. Alors, tout d'abord, j'ai noté sur ma petite liste tout ce qui est maquillage. Parce que souvent, on adore ça, hein, en tant que fille. Moi, la première, j'adore ça. Et donc, si vous devez choisir une marque en particulier ou une palette, ça serait donc les deux marques que je vais vous présenter. Donc elles se trouvent exclusivement chez Sephora. Après, bien sûr, vous pouvez choisir d'autres marques, d'autres styles de palettes et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ce genre de palette, ça coûte quand même assez cher et je sais que c'est un très beau cadeau. Voilà, c'est quand même une qualité supérieure aussi. Donc à voir vraiment le style de la personne, si vous savez vraiment que ça va lui faire plaisir, n'hésitez pas. Donc les palettes que je vais vous présenter, donc c'est indiqué, donc les gammes Naked, si jamais la personne ne l'a pas ou ne connaît pas du tout, franchement foncez. Donc elle est comme ceci, donc là c'est la numéro 3, il y a eu 3 versions, plus d'autres petites versions qui se sont déclinées. Et voilà, moi j'adore ce genre de palette là, cette marque là, parce que je trouve que c'est de la bonne qualité. Elles m'ont duré quand même assez longtemps et voilà, bah, c'est une très très bonne palette. Voilà, que vous dire de plus à part ça. Voilà, donc celle-ci elle coûte 52 euros. La Too Faced, je m'en rappelle plus, mais je vous mettrai le prix par là. Donc la marque Too Faced aussi, c'est un peu comme la marque Urban Decay, c'est une valeur sûre. Donc là, c'est la Chocolate Bar, donc c'est la première version qui est sortie, me semble. Et donc voilà, là aussi, c'est des couleurs assez sympas, neutres, qui pourront aller à une personne. Donc elle peut faire du smoky ou des maquillages un peu plus légers. Tout comme la palette précédente que je vous ai présentée. Donc voilà, vraiment choisissez des palettes avec des couleurs assez simples, jolies, de qualité. Et au moins vous êtes sûr à tous les coups de pouvoir faire plaisir à la personne. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis tout ce qui est produits cosmétiques. Donc par exemple, dans les magasins, souvent en période de Noël, vous avez des coffrets de soins, de parfums aussi. Donc si vous connaissez les odeurs qu'elle aime au niveau du parfum aussi, vous savez qu'elle adore un parfum et que ben voilà, elle aimerait bien en avoir un autre. N'hésitez pas à aller voir de tout ce qui est coffret parce que souvent il y a des soins avec. Voilà, il y a des laits pour le corps, une petite trousse, enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Et pareil au niveau des soins cosmétiques, donc pour le visage ou pour le corps, c'est pareil, il y a toujours des jolis coffrets qui sortent durant cette période-là, donc n'hésitez plus. Ensuite, j'ai mis tout ce qui est bijoux, montres, ça fait toujours plaisir. Là aussi, connaître un peu les goûts de la personne. Choisissez quand même des bijoux assez fins. Voilà, enfin, qui sont un peu tendance. Regardez un petit peu les tendances, ce qu'il fait sur internet, Instagram et tout ça. Mais voilà, il y a de très jolis bijoux qui sortent en ce moment et franchement, n'hésitez plus. C'est vraiment aussi un cadeau assez sympa à recevoir pour une femme ou une adolescente. Ensuite, j'ai mis aussi tout ce qui est accessoires de mode. Donc, tout ce qui est pourquoi pas bonnet, écharpe, foulard. Donc, moi, j'ai celui-ci à vous présenter. Donc c'est la marque Princesse Foulard. Donc il est comme ceci, donc il y a plusieurs coloris. C'est un peu effet soie, mais vraiment il est très agréable à porter, très léger et voilà, franchement très très sympa. Il y a des petites franges et voilà, moi je l'adore tout simplement. Ce genre de foulard, voilà, je suis fan de foulard de toute façon, j'en porte quasiment tout le temps. Et voilà, c'est une valeur sûre aussi. Vous savez que c'est quelque chose qui va être porté durant l'année,
qui va être utile et que ça fait toujours plaisir. Au moins, c'est déjà ça en moins à acheter. Et donc, voilà, franchement, pour une fille, enfin, même une petite fille, une préadolescente, adolescente ou femme, je pense que les foulards, les écharpes, tout ce qui est bonnet, ça fait toujours plaisir aussi. Ensuite, au niveau des hommes et des garçons. Donc là encore, tout ce qui est bijoux, donc par exemple si la personne aime bien porter des bracelets, ou alors rêve d'avoir des boucles d'oreilles et tout ça, enfin franchement, regardez un petit peu ce qui se fait. Voilà, y a pas mal de choses, il y a même des colis aussi qui sortent, y a souvent là on a vu des tendances un petit peu avec des colis en cuir noir et tout ça, enfin c'est assez tendance en ce moment, donc regardez un petit peu, fouillez. Il y a un peu de tous les prix. Ensuite, j'ai mis montres. Donc, les montres aussi, ça fait toujours plaisir à recevoir une montre. On en a toujours besoin. Et puis voilà, c'est assez sympa pour porter dans les grandes occasions et tout ça. Ensuite, tout ce qui est portefeuille, sacoche, sac pour l'ordinateur, ça s'use quand même assez rapidement. Et ce genre de truc-là, ben voilà, on sait qu'on peut y mettre le prix. Et on sait que ça fera un joli cadeau aussi. Donc ensuite, on va commencer vers la partie lambda, donc tout ce qui est un peu mix. Donc que ce soit pour une fille ou pour un garçon, ou pour une femme ou pour un homme. Donc les places de concert, si vous savez que la personne adore un artiste ou un humoriste ou autre. Essayez de regarder s'il y a des places de concert qui sont bientôt disponibles ou autre. Voilà, ça peut être aussi un CD ou un DVD de son artiste préféré. Ça peut être sympa aussi à offrir. Ensuite, j'ai mis tout ce qui est abonnement cinéma. Donc ça peut être très très utile pour quelqu'un qui adore aller au cinéma. Ça fait toujours plaisir aussi. Les magazines. Donc voilà, tout ça, c'est magazine pour hommes maintenant. Donc voilà, enfin, vraiment faites votre choix. Et c'est vrai qu'un abonnement, ça fait toujours plaisir de recevoir ça dans sa boîte aux lettres, mensuellement ou quotidiennement. Donc voilà, puis, je trouve que c'est un joli cadeau quand même. Donc voilà, il y a tout ce qui est abonnement, ouais, aussi pour le sport, pourquoi pas. Si vraiment vous savez que la personne a voulu se remettre au sport au mois de janvier, bah, pourquoi ne pas lui offrir un abonnement annuel pour le sport? Ça peut être une occasion de l'encourager en même temps. J'ai mis tout ce qui est agenda, philosophe et tout ça. Donc là, c'est un agenda que j'avais acheté à Flying Tiger. Mais sinon, j'avais de très très beaux agendas. Je pense notamment au rayon de Cultura. Ils ont un sublime rayon, tout ce qui est philofax et tout ça. C'est quand même un investissement, mais vous savez que la personne va en prendre soin et va s'en servir sur de longues années, parce que du coup, c'est comme un mini classeur, vous achetez simplement les recharges. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment sympa. Et c'est un cadeau que j'aurais bien aimé avoir aussi, avoir un joli agenda. Bon là, je m'en suis fait un, j'en suis très contente du mien. Mais voilà, c'est tout ce qui est agenda pour une personne par exemple qui voyage beaucoup, qui a beaucoup de rendez-vous professionnels, ou même tout simplement une personne qui adore tout ce qui est organisation et tout ça. C'est vrai que ça peut être sympa aussi à recevoir. Ensuite, tout ce qui est cadeau personnalisé. Donc alors là, vous avez une multitude de choix. Vous avez plusieurs marques, sites internet et des fois dans les galeries de marchands de tout ce qui est. Bah, je sais que notamment à Carrefour, ils le font aussi. Voilà, il y a Auchan aussi qui font pas mal de choses comme ça. Donc vous avez une multitude de choix de produits. Donc ça va bien du calendrier, la bonne photo, des tasses, des porte-clés, des stylos. Vraiment, c'est à vous de créer votre produit et à le personnaliser vraiment à fond comme vous le voulez. Et ça fait toujours plaisir ce genre de cadeau-là. Donc foncez. Voilà. Ensuite, tout ce qui est carte cadeau. Donc là, c'est vraiment. Je pense que c'est le dernier recours d'une idée de cadeau quand on n'en a vraiment pas. Une carte cadeau, bon, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que ça peut paraître un peu dérisoire.
Aussi, bon, bah, c'est un peu facile, la personne n'a pas vraiment eu le temps de choisir un beau cadeau pour vous. Mais moi, personnellement, j'en demande énormément, surtout en sachant qu'au mois de janvier, il y a les soldes, donc je sais que bah, je peux me faire plaisir sans vraiment casser mon budget au niveau des soldes. Donc voilà, ça me fait un gain de temps et un gain d'argent aussi. Donc personnellement, moi, ça me dérange pas de recevoir ce genre de cadeau-là. Mais voilà, ça peut toujours faire plaisir à voir selon la personne comment elle va réagir et tout ça. C'est à vous de savoir un petit peu ce que ça va donner de ce côté-là. Ensuite, vous pouvez prendre aussi des cours de cuisine, de yoga, de pilates, enfin vraiment des trucs qui sortent vraiment de l'ordinaire. Ça peut être un moment à partager aussi entre vous et la personne. Par exemple, un atelier création bijoux, un atelier cuisine, un atelier où vous apprenez quelque chose et tout ça. Enfin, vraiment, je trouve que c'est un beau moment de partage et ça peut être sympa aussi à recevoir comme cadeau. Donc voilà. Et dernier truc que j'ai mis aussi, c'est des livres. Moi, je suis fan de livres. Maintenant, à voir si la personne adore lire ou pas. Mais voilà, il y a toujours des livres, que ce soit des livres de photos, d'un thème particulier. Par exemple, si la personne adore tout ce qui est les Marvel et tout ça, il y a toujours de quoi faire à ce niveau-là. Et donc voilà, franchement, faites-vous plaisir. Allez voir un petit peu dans les magasins ou sur les sites internet. Et vous voyez en fonction des goûts de la personne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et j'espère que voilà, vous aurez trouvé plein d'idées de cadeaux. Donc après, c'est vrai que ça peut paraître des cadeaux lambda, mais j'espère que ça vous aura donné quand même quelques idées. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!